Le Congrès international athlétique de Paris a débuté en présence de 2000 personnes. Au fil des siècles, la première représentation par la chorale de l'hymne à Apollon a rempli d'émotion le site vraiment historique. Nous sommes dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, de l'Université de Paris. Le grand amphithéâtre qui a été inauguré à la fin du 19e siècle, en 1889, pour célébrer le premier centenaire de la Révolution française. Cette université est très ancienne, mais elle a été reconstruite au 19e siècle. Elle a été reconstruite au 19e siècle et inaugurée quelque temps avant le lancement des grands Jeux olympiques grecs. C'est un amphithéâtre qui rappelle ce que signifie pour la Troisième République française, pour le régime français de l'époque, l'instruction publique, le savoir, le développement des sciences, le développement des humanités et des lettres. C'est ici, dans ce grand amphithéâtre déjà, quelques années après sa création, le baron de Coubertin a réuni un grand congrès sur les Jeux olympiques, pour voir renaître les Jeux olympiques. C'est ici, à la Sorbonne, dans une autre pièce que le grand amphithéâtre, que le baron de Coubertin a aussi créé, en juin 1894, le Comité international olympique. Michel Bréal propose une nouvelle course, la course de marathon, et la création d'une coupe d'argent pour les vainqueurs. Il est certainement inspiré de la légende du curé Messazé qui a couru des marathons à Athènes pour annoncer la victoire de la bataille de Marathon. Lorsque le grand helléniste Michel Bréal décide de réinventer l'épreuve de marathon, il nous montre une chose très importante. Il nous montre tout ce qu'est la vitalité du philhellénisme en France à la fin du 19e siècle et depuis le début du 19e siècle. Ça signifie quoi, le philhellénisme? Cela signifie d'abord la volonté de remettre au cœur de la culture savante et esthétique française et européenne la référence hégémonique à la Grèce antique. Lorsque Bréal pense à cela, il veut réconcilier, ou en tout cas montrer qu'il est possible de concilier la Grèce moderne et son héritage antique. En plus, ce que montre le rôle des hellénistes français dans la volonté de faire revivre la culture antique grecque, c'est aussi leur forte relation avec tout le milieu grec contemporain. Michel Bréal peut faire ce qu'il fait parce qu'il est en lien étroit avec Vikelas. C'est ça la grande synthèse philhellène, un savoir, la volonté de mettre l'Antiquité au cœur de toute référence et la volonté de mettre cette antiquité au cœur de toute référence scientifique et esthétique, à condition que les Grecs modernes puissent assumer cet héritage.